Bonjour à tous, c'est Franzi pour le Gameplay Live des Rocks. Aujourd'hui, une émission de Passion Prairie. Vous allez donc pouvoir rentrer dans l'intimité d'un agriculteur et va-t-il pouvoir trouver l'amour? Ça, on va bien le voir. En tout cas, sa passion, c'est la prairie. Vous allez donc pouvoir observer à travers toute une journée la vie d'un fermier, tout simplement. Je vous laisse regarder. Et voilà. Nous voilà donc aujourd'hui réunis pour tester Farming Simulator 2013, un jeu de gestion assez particulier, hein. Toute la série des simulators, c'est assez particulier, un jeu qui ne vaut pas très très cher, qui est aux alentours d'une vingtaine d'euros en neuf. Voilà, un jeu développé par Giant Software et édité par Focus, hein. Alors un jeu pas mal, faut aimer le style, hein. Je vous l'avoue, hein, faut quand même aimer le style. C'est un jeu qui va être assez long, qui va quand même vous bouffer pas mal de temps. Il y a aussi des défauts, hein, je vais en parler. Alors je sais qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire, mais des défauts, hein, malheureusement, il y en a dans tous les jeux et c'est pas forcément ce type de jeu qui va en sortir. Alors déjà, on va parler au niveau des graphismes. Alors pour ceux, parce que j'ai pas mal de commentaires qui me disent oui, mais les graphismes dans ces jeux-là, on s'en fout. Bon, on s'en fout. Hein, si c'est pour retourner sur la Super NES, voilà, il y a un minimum. Hein. Alors là, ce jeu-là, je vais pas forcément les décevoir. Le jeu n'est pas extrêmement vilain graphiquement. Vous voyez, on est en vue un peu, j'ai envie de dire FPS. Et puis voilà, bon, on a quand même des détails qui sont soignés. Hein. Moi, j'avais essayé un Farming Simulator ça devait être le 2009. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Hein. On retrouve un petit peu tous les éléments habituels avec des tracteurs, des choses comme ça. Alors un petit défaut qu'il y a quand même dans le jeu, et ça je tiens à le signaler parce que c'est pas forcément le jeu en lui-même. C'est plutôt pour les novices, pour ceux qui commencent, eh bien je vous avoue honnêtement que c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de didacticiel intégré au jeu. Enfin, intégré à la partie quand on lance, si vous voulez, il y a un petit didacticiel dans le menu. Alors on peut le faire, moi personnellement je ne l'ai pas fait. Mais voilà, bon, quand on lance dans une partie quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément beaucoup, et eh bien ça peut vite s'avérer galère. Voilà, donc au niveau des graphismes, je reviens un petit peu dessus, c'est pas si vilain que ça, c'est, voilà, là j'ai retiré l'anti-aliasing, pardon, hein, parce qu'avec Fraps, c'était pas super. Alors vous voyez, au niveau graphisme, on a déjà des véhicules qui sont quand même plutôt bien modélisés, hein, plutôt sympa, c'est plutôt agréable. On a, par contre, des textures pas forcément bien faites, mais bon, ça ne gêne pas dans l'esprit du jeu, si vous voulez. Hein. Ça reste un truc. Voilà. Voilà, c'est. Je vous dis, dans l'esprit du jeu, c'est pas catastrophique. Après, voilà, pour les puristes et puis pour ceux qui vraiment sont des gamers et qui veulent du graphisme, des choses comme ça, et ben là, par contre, c'est pas pour vous. Hein. Passez votre chemin. Hein. C'est pas un jeu qui va être très joli. Mais on n'y joue pas pour sa beauté des graphismes, sachant que c'est une machine qui ne va pas, c'est un jeu qui ne va pas forcément nécessiter une grosse machine. Hein, vous voyez, une petite carte graphique en 256 MO vaut quand même mieux au minimum une 512. Hein, je vous le dis quand même. Donc vous avez vu au début, ça va avec Nvidia. Donc on est dans un jeu qui va pouvoir passer sur quasiment toutes les machines. Voilà, ensuite vous voyez, donc on a quand même pas mal de petits détails, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Alors au niveau du gameplay, c'est pareil, il y a des défauts. Alors la claque, je vous montre. Alors attention, ça va aller très vite, parce qu'en fait on peut engager un ouvrier, hop, et en même temps je vais là, vous voyez, allez, voilà. Pas mal. Alors ça, c'est, oui, nécessité d'une petite prise en main. Alors vous voyez, le gameplay n'est pas évident, malgré tout. J'insiste quand même dessus, parce que ça va être assez précis. Et puis comme les tracteurs sont pas forcément hyper réactifs. Voilà. Donc là, vous avez pu le constater, je suis en train de
lui est de labourer un champ. Voilà. Alors l'IA aussi n'est pas forcément diplômée en... Voilà, donc au niveau du gameplay, pas forcément évident. Allez, bon, voilà, c'est bon. On retrouve malgré tout le même gameplay que dans les autres, il n'y a pas de mystère. Alors moi, dans le jeu, cette piste de ski simulation, il me semble, je ne crois pas que je pouvais engager des employés, ou alors il fallait que j'achète des trucs. Alors on reste toujours dans un même esprit. Alors là, vous voyez, ça y est, lui, il a dû finir son taf maintenant. Attendez, on va aller le virer quand même, parce que sinon il va nous faire des conneries, hein, le garçon. Tac. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu. Vous voyez. C'était pour vous montrer un petit peu quand même voilà, l'intérêt du jeu, parce qu'on va quand même mentionner, il ne faut pas oublier que c'est un jeu d'Alien Hunter. Donc obligatoirement c'est les tracteurs, etc. On va labourer les champs. Je vais vous montrer un petit peu après, j'espère que je vais avoir assez. Alors attendez, hop, on va voir ça. Puis on va regarder où est-ce qu'on peut. Et alors, au niveau du gameplay, alors le gameplay, il y a des tracteurs hein, quand même qui sont assez maniables, mais peut-être un petit peu trop sensibles. Je vous avoue honnêtement, c'est quand même assez. C'est quand même assez tendu de réaliser des trucs assez propres. On a une physique, hein, la physique du jeu n'est pas très très bonne. C'est un peu comme d'habitude, hein. Par exemple, si vous prenez une bagnole, la bagnole elle peut très bien ne pas bouger, comme être expulsée à des dizaines de kilomètres, hein. C'est un peu spécial. Alors là vous voyez par exemple, le tracteur est extrêmement sensible au niveau de la direction. Moi je joue au clavier, hein. On peut jouer à la manette ou au volant. Mais voilà, donc on est là. Alors un truc aussi qui est extrêmement énervant dans ce jeu, c'est le son. Le son, parce qu'en fait il n'y a pas de musique. Et du coup, vous vous retrouvez avec le bruit du tracteur en permanence dans les oreilles. C'est pas franchement top. En plus, deux, trois petites choses, vous voyez, là, donc là j'ai une grosse remorque. Et peu importe que ma remorque soit vide ou pleine, mon tracteur avance à la même vitesse. Si c'est ça. Donc ça voilà, c'est le gameplay des véhicules. Il n'est pas évident. C'est pas franchement agréable. Mais dans l'esprit, si vous voulez. Alors là c'est oui pour vendre de la laine. Je vais y revenir après. Hop. Je vais y revenir après. 9. Ah bah zut. Attendez. Parce que là je me paume un petit peu dans les trucs. Voilà. Voilà, c'est bon, je vais récupérer le chemin. Donc oui, voilà ce que je vous disais, hein, le tracteur sur le piton. De toute façon, vous avancez à la même vitesse. Vous allez me dire, c'est un détail, mais bon, pour un jeu entre guillemets simulation, je trouve pas ça top. Je trouve qu'on aurait pu, je sais pas, consommer plus ou vous voyez, enfin faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà, il y a quand même quelques petits défauts. Moi je n'ai pas essayé le 2012, j'ai juste regardé un petit peu sur internet comme tout le monde, des gens qui sont fans de ça et donc qui montrent un petit peu, qui expliquent deux, trois petites choses. Alors attendez. Parce que là, il faudrait que j'aille. Oh là 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 là, on va pas faire le fou, on va pas faire le foufou, hein, on va prendre notre temps. Donc oui, j'ai regardé un petit peu, et après, moi j'ai pas trouvé de grosses différences entre le 2012 et le 2013. Apparemment il y a plus de machines. Alors, on va faire un petit tour après en magasin, et puis je pense qu'on va être appelé pour une mission aussi, parce que dans ce jeu, hein, donc vous avez la notion classique de gestion de vos ressources, c'est-à-dire qu'il va falloir aller planter du blé, le récolter, comme là c'est ce que j'ai fait. Je suis en tout début de partie. Donc sachez qu'il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu. Hein. Si vraiment vous vous lancez dedans, sachez qu'il y a moyen de faire alors du blé. Je crois qu'on peut faire aussi un peu maraîcher, on peut élever des vaches, alors les vaches pour le lait, les moutons pour la laine et les poules pour les œufs. Donc là on va aller voir après. Justement ça au niveau des œufs, parce que j'ai acheté des poules pour vous.
coup, on va aller voir ça. Là, vous voyez, on a donc le blé. Là, je suis quasiment sûr que c'est du blé. Hop, on va faire un petit zoom pour vérifier un petit peu le truc. Alors, oui, hein, ça c'est catastrophique, ça, la gestion du truc. Voilà. C'est hyper galère quand on a des. Et voilà. Ah, le blé n'est pas accepté ici. C'est sympa ça de me prévenir. Alors que l'icône est verte. Ah là 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 là. On va essayer de voir s'il n'y a pas un truc par là. Alors oui, il y a plusieurs cultures. Le blé n'est pas accepté ici. Bon, ben, il va falloir qu'on cherche. Ah, oh, ce serait bien le truc jaune. Je suis petit bête. Ça me permet un petit peu de vous montrer aussi les décors qui, même s'ils ne sont pas très très bien réalisés, on sent qu'il y a eu un petit effort. Vous voyez, par exemple, là on a un golf tout bêtement. Là, on va voir si on peut pas l'acheter. Personne n'a pensé à commander de l'eau minérale pour une green party. Livraison, quelques caisses. On va accepter parce que de toute façon on va retourner. Bah tiens. Donc là, vous voyez, ce sont des petits défis qui vous tombent un peu sur le coin du nez, qui vous permettent de gagner de l'argent. Moi, j'aurais bien aimé gagner de l'argent avec ce que j'ai vendu, mais avec ce que j'ai récolté, pardon. On va aller voir ça. C'est pas grave, je vais aller le faire après. Donc là aussi, un côté un peu rébarbatif, mais bon, qui fait aussi office de simulation, hein, faut être honnête. Hein. Le fait de ne pas pouvoir se déplacer d'un point A à un point B de manière rapide. Ça c'est un truc on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est une simulation, donc ça paraît assez logique. Ça devient vite, j'ai envie de dire, lassant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on fait. On a quand même des tracteurs qui dépassent rarement les 50 km/h. Alors même si ce n'est pas un jeu de course, ça je suis parfaitement d'accord, eh bien on a quand même envie à un moment d'aller un petit peu plus vite, de pouvoir faire les missions un petit peu plus vite, de pouvoir avancer tout simplement plus vite dans le jeu. Et là du coup, voilà, vous êtes vraiment obligé, donc là je suis vraiment dans le truc. J'ai pas trouvé s'il y en a un raccourci pour aller d'un point A à un point B avec un véhicule sans rouler. Voilà, c'est le truc tout bête, mais c'est un peu. Voilà, ça c'est le truc qui peut être un peu galère. Voilà, je crois que c'est là. On va aller voir ça. Normalement, comme ça. Touche A, décharge. Alors vous voyez, on voit le blé là, qui coule tranquille. Et on a gagné quand même un petit peu de sous, on a gagné 6000 euros. Ça va, tranquille. Voilà, donc là on va quand même retourner à notre ferme. D'ailleurs, elle est où notre ferme là? Elle est en haut, donc là on va aller chercher. Alors vous allez voir les missions. Là c'est une autre mission qui n'a rien à voir, donc là il faut prendre un transpal en fait, un transpalette. Clac, donc on change de véhicule. Voilà, on est là. Voilà. Et ensuite, vous voyez ces petites icônes là que vous croisez un petit peu partout. Hein. Alors ça, celle-ci, c'est pour acheter un champ, pour augmenter donc sa productivité. On va pouvoir également engager au bout d'un certain temps, tout ça je l'ai vu, ça y était en 2012 ensemble, pour engager des employés pour faire le boulot à notre place. Ce qui peut être plutôt sympa. Sachant que vous devez forcément être dans le coin pour débloquer pour permettre aux employés d'avancer en fait correctement. Donc, on va aller voir le transpal, on va aller tranquillement le mettre. Mais on a pas mal d'outils, hein. On a des engrais, on peut mettre de l'engrais, on peut mettre du pesticide, ce qui n'est pas forcément super top, mais bon. Voilà, on va pouvoir mettre du pesticide. Alors ça, vous voyez, ça c'est le transpalette. Alors, comme d'habitude, vous voyez, vous pouvez gérer l'appel. Je vous ferai également
Démolition Simulator, c'est rigolo. Celui-ci, c'en est un que j'ai bien aimé. Voilà. Et donc, vous voyez, encore un truc un peu galère. Ça me roule à 30 km/h pour aller donc à cette mission, sachant qu'elle ne s'est pas déclenchée. On pourra y aller tranquillement. J'espère qu'elle ne va pas se désactiver. Alors, donc, vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses hein, en termes vraiment d'agriculture, etc. On est vraiment dans le truc. Hein, on a vraiment toute une simulation. On peut vraiment se prendre pour un agriculteur sans aucune difficulté, puisqu'on a tous les outils, les gros véhicules qui sont tous là en fait. La notion de saison, etc., une fois que c'est ramassé, on va d'ailleurs aller essayer quelque chose après. Hein, donc on a également un multijoueur que je n'ai pas testé, parce que allez savoir pourquoi tout ce qui est simulateur multijoueur avec moi ça marche pas. Ah oui, hein, les bâtiments ne sont pas si mal modélisés que ça. Bon, les textures sont franchement pas belles. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas dans... En achetant ce jeu-là, vous le savez, hein, que vous n'êtes pas dans un... Vous êtes là pour, si vous voulez, il y a la simulation, on va dire, de vie. Voilà, on est vraiment dans cet esprit-là et pas dans un esprit de simulation visuelle, j'ai envie de dire. Alors, attention. Le truc. Hop. Voilà, parce que vous voyez la palette elle est là. Ça aussi c'est une autre gestion qui peut s'avérer un petit peu compliquée. C'est de bien se placer. On va aller un petit peu par là. Voilà. J'y étais presque, hein, vous avez eu un peu. Hein. Alors ça, vous voyez, c'est presque le truc dommage. Voilà, voilà, on y est, on l'a. Donc, vous voyez, question simulation, c'est vraiment dans l'esprit. Hein. Alors, par contre, je ne sais pas où il faut aller le mettre. Ah, voilà. D'accord. Donc là, on a 2 minutes pour y aller. Il s'agit quand même pas de traîner hein, avec un engin qui roule à 30 km/h et une palette qui est prête à se casser les gars. La palette. Voilà. Donc ça ce sont les petites missions qui vont vous rapporter un petit peu d'argent. Après vous allez voir au magasin. Alors je vais changer de véhicule. Donc ce sont des missions qui sont quand même assez faciles. Hein, je pense que les temps ont été quand même assez adaptés. On va voir hein, si on va y arriver à temps. Mais vous voyez, je suis à fond. Ah, je peux vous dire que là, je déconne pas. Hop. Voilà. C'est un peu couillon hein, la palette. Ouais. J'ai trouvé ça un peu gros de pouvoir prendre une palette comme ça. On va pas se prendre le véhicule parce que tout à l'heure, j'ai perdu une palette. En plus, c'est là, ça tombe bien, c'est là que je voulais vous emmener après. Et voilà, et en plus, on a un petit bonus de temps. Voilà, donc là, on va aller voir un petit peu ici. Sachez que je n'ai pas tout découvert encore. Donc là, hop, consulter les finances. Donc vous voyez, on a un petit peu tout. Les nouveaux véhicules, on a acheté. On a, voilà, on a une mission. Autre, parce que j'ai vendu un tracteur, je n'ai pas fait de prêt. Oh, sol, prêt, voilà, tac. Aujourd'hui, vous voyez, on est vraiment sur emprunter, rembourser 5000. Tac, ok. Donc, vous voyez, on est dans ce type de jeu. Allez, mon grand, on y va. Hop.
Maintenant, je vais aller vous montrer un petit peu quand même les véhicules qu'on peut acheter. Voilà, problème. On ne peut que se déplacer dans un véhicule. Tiens, on va se prendre une manière, vous allez vite comprendre. Wouhou! Vous avez vu un peu? Tranquillou la caisse, hein? Donc là, vous voyez, elle bouge vraiment fort, il n'y a même pas de bruit de choc. Bon, voilà, on sait que c'est pas l'esprit du jeu. Après, un petit effort, ça aurait pu être pas mal. Tac. Un petit effort, ça aurait pu être sympa. Surtout, bon, s'il y avait une gestion du véhicule, comme dans Région Ski Simulator, ça peut être ça. S'il y avait une gestion un petit peu mieux, parce que dans Région Ski Simulator, on avait quand même, si vous voulez, les véhicules se manipulaient de manière assez simple. Il n'y avait pas de grosses erreurs à ce niveau-là. Là, moi j'ai la sensation vraiment qu'on a, on a des petites erreurs de gestion de l'engin. Comme par exemple la remorque, etc. C'est vraiment. On peut se la jouer extrêmement loin. C'est dommage, je trouve. Comme ça, un peu de finesse, ça aurait été pas mal. Mais bon. Tac. Bon, ce chemin-là, je commence à le connaître. Ouf. Par exemple, là. Bon, j'étais à fond. J'étais à fond de calme. J'étais à 35 km/h. Alors, pour info, en vélo, vous pouvez les atteindre les 35 km/h. Voilà. On va d'abord aller voir au champ de poules. On va voir un petit peu comment ça se passe au champ de poules. On va aller voir les poules. C'est l'avance. Est-ce qu'elles pondent? Est-ce qu'elles pondent pas? Est-ce qu'elles se sont fait des copines? Des choses comme ça. Là aussi, voilà, on a notre maison. Qui sert à rien. Hop là, wouhou, vous avez vu un peu le dérapage. Alors ça, ce sont des trucs de bourrin, hein. Je sais pas trop à quoi ça sert. On va aller voir, alors attendez. On va aller voir ça. Salut les poules, salut les cotes-cotes. Alors. Apparemment, ouais, non, ça se met automatiquement. Apparemment, ça se met automatiquement. Salut. Vous avez également, hein, via le pad, hein, la possibilité de voir tout ce que vous faites. Œuf transporté 0. Mais alors, par contre, je ne sais pas trop comment je vais faire pour les transporter. Mais on va trouver un moment ou un autre. Hein. Peut-être qu'elles n'en ont pas pondu aussi, tout simplement, aujourd'hui. Bon, bah du coup, on va prendre une bête de course. Voilà. Alors, je sais pas comment on est là, celui-là. Et on va aller faire des emplettes. Parce que moi, je suis juste à côté de la... Alors oui, vous pouvez faire le plein un peu partout. C'est automatique, c'est plutôt sympa ça. Alors, comme auparavant, il suffit de bouger. Hop, on appuie sur A, on a détaché la remorque. Vous voyez, vous pouvez les sélectionner. En fait, le tick est en avant ou en arrière. Donc là, hop, on décroche l'avant. Voilà. Et on a retiré l'espèce de bélier là. Alors vous allez voir, hein, celui-là il va vite. Hein. Il frôle les 50, les 45. Oh non, 41. Ah oui, on est exactement à la même vitesse que quand on avait l'armoire. C'est tout sapé. On avait pas, je pense qu'on avait quand même pas loin d'une tonne aux fesses et bon bah.
Rien à carrer, hein. Le tracteur, lui, une tonne ou pas, de toute façon, c'est un bourrin. Donc on retrouve une station d'essence, et là on a l'achat-vente. Alors là, pour vendre ce tracteur, on peut très bien le mettre ici. D'ailleurs, on va le vendre après. Hop, et là, c'est ici qu'on va pouvoir observer toutes les petites nouveautés. Alors oui, les tracteurs, il y a des tracteurs de dingue, hein. Il y a franchement des tracteurs de dingue. Les tracteurs, donc chargeurs frontaux, c'est ça que j'ai utilisé. Hein, fourche à pinces, vous voyez, plein de choses. Chargeur Lizard dans la suée, l'air balèze. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais ça a un coût. Ensuite, les moissonneuses, donc nous, on en a une. On a celle-ci, et vous voyez, vous pouvez en fait au fur et à mesure les augmenter. Il y a tous les trucs, il y a tout. On peut faire vraiment des trucs sympas. Récolteuse de pommes de terre, donc on peut planter des pommes de terre comme je vous le disais, de la betterave. Benne basculante, alors là vous voyez c'est celle que j'ai, moi, elle vaut pas bien cher, mais après vous voyez on peut augmenter la capacité. Hein, volume de chargement 5 700 litres. Et je pense que celle d'après, voilà, 24 000 litres. Et c'est un peu différent. Cultivateur, ça c'est ce qu'on a, préparer les champs récoltés pour les étapes suivantes. Charrue, hein, labour les champs après le déchômage, donc là nous c'est ce qu'il va falloir qu'on aille faire après. Semoir, donc on va pouvoir semer ce qu'on veut. Épandeur à engrais, eh ben, c'est ce que je vous disais de l'engrais. Pulvérisateur pour réservoir supplémentaire d'engrais pour les pulvérisateurs montés. Épandeur à fumier, donc ça c'est pour le fumier, vous en doutez bien. Cuvalisier, et ben ça c'est pour l'engrais. Alors hein, pareil, il y en a toujours deux types. Faucheuse, alors ça c'est globalement une tondeuse, voilà, tout simplement. La mission de tout à l'heure c'était ça. 13 bras de fourche et blablabla. Tac, donc ça je sais pas trop pourquoi. Sécher l'herbe en foin, donc pas mal de trucs quand même, auto-charge. Donc, vous voyez, tous les outils qu'on a, on a quand même pas mal. Hein. Il y a quand même vraiment de quoi faire hein, pour la nourriture. Alors, ça, c'est pour les animaux. Et les masses dont je vous parlais. Donc, moi, j'en ai une comme ça. On peut mettre des contrepoids, on peut augmenter plein de choses. Hein, et voilà, on est revenu au tracteur. Alors, nous, on va essayer d'en changer. Vous voyez, moi, j'ai vendu celui-ci. J'en avais un comme ça que j'ai vendu au début. On peut les vendre en plus directement. Acheter, vendre. Et celui-ci, par exemple, je pourrais le vendre. Et du coup, on se retrouverait avec un solde de 30 000, 84 000, 82 000, quoi, un truc comme ça. Mais on n'aurait pas assez pour en acheter un autre. Donc on va se contenter de ça. Donc ça, vous voyez, c'est pour le nombre de machines qui est quand même assez conséquent. Là maintenant, du coup, ce qu'il va falloir faire. Allez, mon ange. Allez. Et voilà. Alors, un petit. Oula, vous voyez, hop. Ça, c'est le tracteur. Allez, mon grand. Allez. Allez, vas-y. T'es fort. Ouais, super. Un truc, vous ne pouvez pas écraser les piétons. Vous passez tout simplement à travers. On va retourner un petit peu. Voir à notre ferme, du coup là on est tout à côté. Donc je crois que c'est. Maintenant on a un petit peu. Alors attends. Une pelouse mal tondue. Allez. On va accepter. Équipement Amazon, veuillez faire poteau. Amazon, allez hop, on va laisser le faire. Allez, mon grand, recule. Ah oui, de mal à démarrer. Hein, quand même. On va aller acheter le matériel nécessaire. Et puis on va aller le faire. Parce qu'on gagne 6 000, on va gagner 7 000. Il me semble que la machine n'était pas très chère. Et on tourne. Ah oui, quand on tourne. Hein. On fait pas semblant. Tac.
Et voilà, alors là, on va faire R. Chargeurs frontaux. Benne basculante. C'était où? Faucheuse. Voilà, 3500. Vous voyez déjà, il va être rentabilisé immédiatement. Retour. Non, c'est ça. Hein. Non, c'est pas par là. Ah, non, c'est pas par là. Allez, on y va. Alors, je sais pas combien il va celui-là, mais ça me fait peur d'office. Allez, 7 km/h. Essayer de trouver autre chose. Il n'y a pas des trucs pour transporter, hein, une remorque, un truc comme ça. J'en ai vu, il me semble. Voilà, remorque à balles, non. Des balles de Vauchamp. Remorque. Il permet de transporter des barres de coupe. Non, on peut pas. Oh là là, ça c'est dommage. Oh là là, ça c'est dommage, ça, parce que là on va galérer. Bon, on va y aller, hein. Désactiver le pick-up. Allez, on y va, on est parti. Alors ça, je vous dis, c'est vraiment le côté qui m'a vraiment le moins plu là-dedans. C'est ce côté, voilà, vitesse à 2 à l'heure. Petit peu de pick-up. Qu'après il faudra aller récupérer le tracteur là-bas. Sachez-le, c'est le côté un peu embêtant. En plus, on embête les voitures. Vous pouvez le constater. Voilà, limité à 10 km/h, il me semble qu'il y a le klaxon. On a les phares. Alors les phares c'est F, parce que je sais qu'on m'avait demandé sur le dernier pour allumer éteindre, les phares c'est F et le klaxon c'est 0. Ah, on peut changer directement via tab. Voilà. Via tab on peut directement changer, donc ça c'est déjà un petit point, ça va me faire. Oh là là, bah oui, bah vas-y, coupe-moi la priorité toi. Allez, on y va. Parce que c'est quand même hyper long hein, pour aller au golf. Hein. Échec de la mission. Bah oui, comme ça, pas capable. Allez hop, on va changer. Hop. Ah, j'en ai un autre tracteur, c'est cool. Je sais pas où je suis, mais il y en a un autre. Oh, il y en a un autre ici, cool. Ah, il y en a un autre là, mais tiens, on tient ça. Voilà. Donc nous. Non, oula, non, je veux plus celui-là. Allez, allez, on est parti. Bon, je vous dis aussi qu'au niveau du gameplay, oh là, la vitesse. Ça, c'est vrai qu'après l'autre, en plus, il fait des sauts. Alors ça, c'est dommage. La physique des véhicules n'est vraiment pas du tout respectée. On est censé conduire des engins qui font 2-3 tonnes, jusqu'à 10 tonnes pour une grosse moissonneuse. Et c'est toujours, si vous voulez, on a toujours l'impression de que le véhicule peut s'envoler paf en un coup. Ça c'est vraiment vraiment dommage. C'est vraiment un aspect de voilà, c'est vraiment dommage par rapport à ça. Hop. On a toujours, hop, on recule. Attacher l'outil, ça c'est le cultivateur, je pense que c'est celui-là qu'il nous faut pour aller
Mais là, on est pleine balle hein, quand même. Hein. Wouhou! Ça nous nettoie notre champ. On va engager un ouvrier pour le faire. Hop. Ah, les ouvriers, ils s'en sortent bien quand même. Voilà, et du coup, vous allez pouvoir après, bah, tout simplement semer. Tac. Pouvoir semer, je vais aller chercher le truc là, qui permet de semer. Après, enfin, on va le laisser faire son taf, et puis on va aller chercher ça. Engager un ouvrier, vas-y maman, fais-toi plaisir. On va reprendre le tracteur qui déchire. Je crois que c'est celui-ci. Voilà, ça c'est le semoir. On va commencer par le remplir, donc là, on va aller ici. Remplir le semoir. Engager un ouvrier. Choisir la semence. Ah bah non, je sais pas. Hop. Allez mon grand. Donc, vous voyez, on a le choix en bois en bas à droite là au-dessus du tracteur, mais il y a tous les. Donc là on va prendre. Ah zut, je me trompe de touche. Et on va aller voir. Allez, allez. Voilà, c'est parti. C'est par où on va, c'est par là-bas. Et donc on va aller semer. Une fois que c'est semé, on va aller. On va attendre que ça pousse. Et puis on va plutôt gérer les poules. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de gestion. Il n'y a pas de mystère. Je vais juste vous montrer ça et puis après là je vais. On va s'arrêter là pour le test. Théoriquement. Ah, le mec il s'est barré. Mais c'est bien. Ah, je vous jure. Ah, donc là, on fait ça. On va faire V. Et voilà. Et on monte. Vous voyez, la couleur du sol change. Progressivement la semence qui baisse. Alors avant, vous voyez, c'est long, il faut faire tout le champ. Vous pouvez en fait H, engager un ouvrier et on va le regarder baisser. Donc on est vraiment voilà, dans cet esprit là. Le mec il s'est arrêté. Ah non, voilà, c'est ça, il continue. Hein. On va aller reprendre l'autre là pour qu'il nous. 8. Pour qu'il nous. Allez mon gars. Parce que lui, pendant qu'il fait ça, ben, il va essayer de. H. Qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Il est en train de tout péter. Bien joué mec. Voilà, bon, bah, sur ces bonnes paroles, écoutez, le test est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site, donc c'est www.rox.fr. Un coucou également à notre ami, Nero, hein, qui gère Studio Animation.
Ensuite, un coucou également à DG Création. Virer parce que il est tout pourri lui. Tac. Voilà donc à DG Création et puis à jeux vidéo-live.fr sur lequel nous streamons.